Dans cette vidéo, nous allons effectuer un appui coranique par des versets surat mettant une relation directe entre la création de l'homme, l'eau, ainsi que les ondes vocales sonores et les ondes lumineuses, que nous retrouvons dans Surat Fater, le créateur, qui est très explicite, mettant une relation étroite et combinée entre l'eau, les ondes sonores et les ondes lumineuses, mais... Nous savons que la vitesse de l'onde lumineuse est supérieure à l'onde sonore, qui est de l'ordre de 300 000 km par seconde, et que la vitesse du son est de 340 mètres par seconde, qui peut être variable en fonction de la température et du milieu, comme nous, nous l'avons déjà vu. بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلفها نذير وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءت رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزدهم من فضله Innahu shakur, Cette sourate parle des différents facteurs suscités dans les vidéos précédentes. J'attire votre attention que le Coran parle de tous ces facteurs dans plusieurs surates, telles que surat al-Nahl, ou surat al rad Abay et tonnerre. D'ailleurs, à l'instant même, le déclenchement du tonnerre, il est précédé d'une foudre, lumière, puis l'onde sonore est réceptionnée. Ceci prouve que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son, car nous sommes sur Terre et que l'existence du facteur temps influe sur cette équation, qui est positive pour notre futur, sauf que l'équation à un moment donné s'inverse par l'élimination du facteur temps, qui est personnalisé selon chaque individu qui est la mort, la perte de la notion du temps, ce qui lui permet de convertir ses ondes sonores coraniques et actes de prière par des ondes lumineuses dans la mesure où cet être a joué le rôle de vicaire sur Terre. Chers sœurs et frères, je vous suggère de garder en mémoire cette équation et de la transmettre aux générations futures et de donner un bon sens scientifique et religieux. À notre existence, et, et, et que une fois le pas franchi, se mettre au rang des anges par la lumière acquise pendant le séjour terrien, et non comme alliés de Satan qui a pour destination l'enfer sans la moindre goutte d'eau. Mes amis, faites cette réflexion. Dieu subhanahu wa ta'ala dit, quand nous voulons une chose, notre seule parole est soit et elle est. Ceci est divin, regroupant l'onde sonore, l'onde lumineuse et matière. Je vous remercie pour votre écoute. J'attends de vous. Un petit travail de recherche afin d'avoir une nouvelle vision sur la lecture coranique et j'attends toujours vos commentaires. Merci.